Première chose qu'on voit en arrivant ici, c'est les paysages et les animaux. Et après, on regarde ces bâtiments et on se demande qu'est-ce qui s'est passé ici. Quand on voyage en Antarctique, on voyage à travers l'histoire grâce à ces noms, ces termes au milieu desquels on navigue toute la journée. C'est vraiment passionnant. On est encore en train de le découvrir, l'Antarctique. Et pour prédire quelque chose, il faut déjà connaître presque son passé, suivre son présent et ensuite pouvoir envisager un futur.